thank mm -hmm. you j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche euh, bah, c'est reparti encore pour une heure sur euh, soit la chaîne YouTube de Adobe France soit sur Behance, comme d'habitude on va vous partager le lien si vous êtes sur euh, Bah du coup je suis Pauline et aujourd'hui je suis avec Julien Apruzes ou euh, c'est est-ce que c'était ça tu as osé <laughs> ah bah oui ça va bah écoute, euh, ça va. J'ai hâte de voir euh, ce que tu vas nous raconter. Euh, du coup, bah, je dis bonjour à tout le monde dans le chat. Bonjour à Franck, on a Couleur Vanille, Christophe, Thierry, Greg, euh, on a un autre Franck, Jamila, Delphine, euh, Michel, Diatou, on a plein de noms nouveaux aussi. Lise, Denis, Alexandre, Clément. Et bah moi, je vous fais bonjour et des bisous à tout le monde que vous allez bien. Euh, bah dis-moi Julien, on t'a déjà reçu plusieurs fois. Bon moi c'est la première fois avec toi, donc je vais découvrir un peu plus ton travail. Et c'est quoi le programme aujourd'hui Je sais que c'est la journée photo euh, retour de Adobe Max. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour ça euh, bah, J'ai proposé en fait qu'aujourd'hui on parle de, euh, bah, de Photoshop, de post-production et euh, vraiment de du principe de la post-production. C'est peut-être un sujet qui n'est pas forcément tout le temps abordé. Euh, on, parfois, en fait, on va souvent avoir des euh, plein de détails en fait sur des techniques précises, sur euh, comment faire ci, comment faire ça. Ouais. Avant, avant tout ça. Avant, avant tout ça, je trouve que c'est extrêmement important de comprendre en fait bah, qu'est-ce que c'est de la post-production, quel est le principe de la post-production qui peut se résumer en bah, qu'est-ce qu'il faut faire sur une image. Et, euh, et en même temps de parler de ça, on va essayer d'inclure quelques, euh, quelques nouveautés qui sont euh, apparues avec Photoshop 2021 et qui me paraissent euh, assez pertinentes. Bah, écoute, euh, moi je suis... Euh... Je te suis, j'ai hâte euh, de voir euh, ton point de vue là-dessus. Pour ceux qui seraient intéressés, du coup, pour en savoir plus sur ton travail, ta démarche, tes inspirations, du coup, je les renvoie plutôt à, aux sessions précédentes. Je, que je pense que c'est pas mal. Et puis, bah, pour ceux qui ont des questions dans le chat, n'hésitez euh, pas. N'hésitez euh, pas, on est, on est là et euh, voilà. Donc. Euh... Alors, n'hésite euh... pas, pas à me faire les retours de, de questions. Hein. Ça peut oui, être... oui, je te... moi je m'occupe de ça et ça on être va. Être... On a beaucoup de, de questions-réponses aussi, hein. ça peut être super. Ouais, carrément. Donc, du coup, on va commencer à regarder ton écran. Qu'est-ce que tu en penses Allez, est-ce que tu le vois Ouais, c'est bon, c'est parti. Ok, génial. Euh, bon, bah voilà. Donc, je, bon, je me présente très rapidement. Donc, euh, Julien Aprouzet, je suis photographe et retoucheur. Les deux métiers me passionnent et je dirige en fait un studio qui est dédié à la création d'images de marque. Donc, je travaille euh, exclusivement pour les professionnels et euh, je crée en fait des images de communication. Euh, ce qui est super intéressant dans ce, dans ce métier c'est que euh, bon, bah, tu travailles avec différentes marques et chaque marque en fait a son propre produit ou service et donc c'est extrêmement large le panel d'images à créer ce qui est vachement intéressant euh, de travailler de cette manière là c'est que euh, tu es obligé de faire un petit pas en arrière et de pas... Euh, alors je sais qu'en ce moment... Euh, c'est la mouvance de l'hyperspécialisation, de, de travailler dans une niche, euh, d'être photographe, produit, bouteille transparente. Bon. Ok. Donc, euh, tu vois, ça, c'est quelque chose qui je respecte totalement, mais c'est quelque ouais. chose qui ne m'intéresse pas. Euh, et euh, je trouve en fait qu'on gagne à avoir une vision beaucoup plus globale de la photographie avec un grand P et encore plus loin de euh, l'image. Euh, parce que euh, photographie, peinture, cinéma, euh, dessin, c'est de l'image. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et euh, ce qui est vachement intéressant, c'est quand on commence à croiser un peu les connaissances qui existent dans l'intégralité de ces domaines de l'image, on comprend euh, des choses qu'à la base, en fait, on n'arrive pas forcément à comprendre quand on étudie spécifiquement que la photographie où, euh, ouais. on est très euh, on peut se retrouver très facilement fermé dans un, 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 un carcan tu vois euh, euh, photographo-photographique où euh, on ne pense que euh, euh, ce qui s'est fait dans la photographie etc ouais, okay. bah là je, je te rejoins complètement et du coup bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter je, je me bats contre ça je trouve que en plus, quand on regarde que des photographes, on a tendance à, à reproduire aussi ça et euh, à s'enfermer dans un style. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ah. C'est euh, L'inspiration, en fait, c'est quelque chose de très, très important. Ouais. Euh, mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que euh, l'appareil photo n'est qu'un outil. Euh, C'est-à-dire que personnellement, euh, j'aurais euh, préféré presque être peintre, mais je ne sais pas peindre. C'est-à-dire que ma fille de 6 ans peint mieux que moi. Donc j'ai vite abandonné. Euh, et donc si tu veux l'appareil photo est juste l'outil qui me permet de créer une image, oui. peu importe que ce soit une photographie ou ces débats tu sais euh, bah, c'est plus de la photographie, c'est du graphisme tout ça. tout ça ce débat là m'intéresse on s'en fiche, nous on veut juste créer des, des images c'est vraiment exactement ça et c'est pour ça oui. que les deux métiers me plaisent énormément, autant la photographie qui incorpore en fait le travail de la lumière et euh, la, la post-production parce qu'en fin de compte, ces deux liés te permettent de créer une image. C'est-à-dire que si vraiment tu arrives à maîtriser la lumière, la prise de vue et la post-production, bah au final, tu deviens indépendant. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que euh, je en, suis encore à des années-lumière d'être de, un grand créateur d'images, mais ce qui est super intéressant, c'est que tu développes une paternité qui est inédite. C'est-à-dire en fait que tu as créé quelque chose du début jusqu'à la fin. Tu as une idée qui te vient en tête, euh, je sais pas, tu prends ta douche, tu as, as une image qui te vient en tête. Tout le monde a des images qui viennent en tête. Et le fait, tu vois, de transformer cette image que tu as en tête sur un support qui plus est, bah, par exemple, In Fine, quand tu as fini de créer ton image et que tu l'imprimes, c'est-à-dire que ce petit laps de temps, tu vois, entre cette date où cette image t'est venue euh, en tête, tu vois, sous la douche, à peut-être, je ne sais pas, moi, trois semaines plus tard, tu l'as imprimée et c'est dans ton studio. Franchement, ça, c'est ce qui me rend le plus heureux euh, dans le milieu professionnel. C'est vraiment ce côté-là qui, euh, qui me passionne. Créer des images. Après, ben, il suffit juste d'avoir des bonnes idées. Et donc, ça, c'est toute une vie. Euh, c'est oui. toute une vie, une vie de recherche, d'inspiration de, pour essayer de ben de toujours développer de, des idées, des concepts qui peuvent être intéressantes. Et puis, quand cette idée est arrivée, ben, en fait, ça devient passionnant de le processus de création presque in fine quand l'image est faite bah en fait ça redescend pour moi tu vois ce que je veux dire c'est que okay. c'est le processus de création c'est le travail de la lumière le travail de la prise de vue le travail de post-production qui moi me, vraiment me, me passionne et, euh, et quand ça c'est fait bah je passe à autre chose tu vois je passe sur une nouvelle image et voilà est-ce que tu as des images parfois qui restent euh, coincées dans ta tête parce que du coup, techniquement, tu n'as pas encore trouvé le moyen de la réaliser Ouais, le moyen ou même, euh, les, euh, le, ou, ou même si tu veux, le... quand je dis les moyens, c'est aussi. Euh... Alors, soit les moyens techniques, ouais. ou soit les moyens, euh, bah, par exemple, tu rêves en fait de faire un shoot par exemple dans, sur une falaise, mais que tu n'as mmh. pas peut-être accès à cette falaise aujourd'hui. Confinement oblige, ça limite énormément les idées ouais. en ce moment. Euh, donc euh, ouais, tu vois, j'ai un petit bloc-notes où je note tout et je note des idées, mais même qui servent à rien. Mais tout ce qui me vient en tête, je suis en train de regarder un film, je suis en train de regarder une série, j'ai une idée, hop, je note, euh, je gribouille un truc et, euh, et je garde ça. Et après, bah c'est euh, au, au fur et à mesure des rencontres, peut-être que tu sais, tu as une idée en tête, mais tu n'as pas encore trouvé forcément peut-être la modèle ou le modèle, tu vois, ouais. adéquat pour ce shoot-là. Donc tu mets de côté pour l'instant. Puis tu n'as pas trouvé euh, exactement peut-être euh, la table que tu voulais pour ce shoot. Tu ouais. vois, tous ces trucs-là, euh, qui après, bah, mis bout à bout, euh, tu soit tu mets de côté, tu patientes pour, euh, pour les mettre en place. Après, c'est vrai que j'ai un côté euh, perfectionniste qui me fait que je suis lent dans mes créations d'images et ce qui fait que c'est vrai que je préfère prendre mon temps et que c'est pas que je vise à faire une image parfaite c'est que je enfin c'est pas que je veux faire une image parfaite c'est que je veux juste viser à faire une image parfaite c'est à dire que je veux juste avoir mis toutes euh, euh, si tu veux euh, toutes mes compétences pour pouvoir y arriver si à un moment donné je me dis je n'ai pas la table exactement que je voulais bah je ne le fais pas même si je trouve une table qui est euh, presque ça ok ou euh, peut-être que pas, euh, euh, le, le, je n'ai pas je dois shooter par exemple dans, dans une, un endroit dans une pièce je voudrais trouver une pièce peut-être que cette pièce pourrait faire l'affaire mais si je n'ai pas trouvé vraiment la pièce qui moi me fait waouh ok c'est celle-là bah, peut-être que je vais faire patienter le projet tu vois ok c'est cet aspect-là ouais, qui, euh, qui est intéressant dans cette recherche, toujours de, euh, bah de trouver des idées, de, de trouver des… Euh, par exemple, tu vois, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de scouting, c'est-à-dire que tu arrives dans des endroits, euh, tu vois, avec mon appareil photo, avec l'iPhone, tu ouais. fais des photos et du coup, en fait, ça s'enregistre sur une map, sur ta carte. Et donc, en fait, j'ai des dossiers où, ben, OK, cette photo, où est-ce que je l'ai prise Je l'ai prise à cet endroit-là à cette heure-ci et recherche, euh, bah, ça me permet de, de, de me dire bah, ok trouver tiens des je pensais idées à un endroit de, en extérieur avec cette vue là et ben bah, je peux me repérer en fait euh, avec ce lien qui est plus facile à faire avec un téléphone comme tu es tout le temps connecté tu as la position GPS directement avec la, avec, euh, la photo tu euh, l'as tout le temps sur toi contrairement peut-être à ce gros euh, appareil exactement, exactement, donc c'est vrai que euh, mon second compagnon euh, photographique c'est toujours mon iPhone euh, et, et dès, que, dès que, si tu veux, tout est mis en place, hop, ça y est, on arrive et on sort vraiment l'équipement pour, pour pouvoir vraiment faire la plus belle image possible. Ok, bah, c'est euh, vraiment intéressant, merci de partager, euh, de partager ça. Euh, Est-ce qu'on rentre un petit peu dans le dur justement pour voir Allez, on va, euh, on va passer sur, euh, sur Photoshop. Et euh, je alors du coup, euh, ouais. juste aussi pour prévenir, euh, pour prévenir ceux qui nous regardent, ton Photoshop il est très très personnalisé. Tu l'as vraiment mis, euh, <laughs> voilà. Alors, alors ça c'est vraiment, j'invite mais tout le monde à faire ce jeu. Vous vous prenez une petite soirée parce que très souvent en fait on a, euh, on peut avoir une sorte de peur sur un logiciel parce qu'il n'est pas pensé comme votre vos habitudes, votre manière de réfléchir. Des fois, on peut être perdu sur un logiciel juste parce que l'outil est à gauche plutôt qu'à droite. Alors, ce qui est super intéressant, et je vous jure, hein, c'est promis, vous faites ça, euh, Photoshop devient votre ami, parce que euh, ah ah, c'est mon Photoshop. Voilà. C'est à dire hein, Mais oui oui. En fait, il faut juste en fait aller dans les fenêtres là-haut là. -haut, là. Enfin, en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que. On peut, les, on peut les bidouiller, on peut aussi euh, supprimer plein d'outils dont on ne se sert pas. En fait, euh, quand on vous montre des tutos, et par exemple quand Franck va rentrer dans Photoshop, <coughs> il a euh, le Photoshop le plus neutre possible. En fait, il a mis son espace de travail pour pouvoir faire de la formation. Mais en fait, il y a la possibilité exactement inverse de vous l'approprier le plus possible. Donc, euh, soyez pas surpris, euh, le tien, il est vraiment, vraiment, très, très... Alors tu vois là alors c'est la meilleure blague à faire en studio. C'est t'arrives dans Photoshop, t'effaces tout, oui. et le qui arrive après toi. Oui. <laughs> en Mais fait, l'idée. Comment que je fais Voilà, l'idée en fait, c'est juste se dire que tout Photoshop est paramétrable, personnalisable. Et donc, il suffit d'aller dans Fenêtre, et en fait, tous les modules qui existent dans Photoshop sont ici. Oui. Et euh, bah, par exemple, ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir Peut-être mes calques. Ok, mes calques. Alors il me rappelle automatiquement comme c'était avant. Ça, ça un peu, ça, ça, ça trompe un peu le, le truc. Donc on va, je, je montre ça rapidement parce que ça peut être intéressant. Quelque, euh, je suis là, hop. Et même si vous voulez. Pousser la blague. Alors c'était euh, euh, Yves Chaton, je crois, qui m'avait montré ça, qui nous, qui nous regarde. Vous pouvez même aller dans votre menu, et au lieu d'avoir un menu déroulant qui fait cette taille-là, avec trois cartes d'options dont vous ne servez pas, en fait, vous pouvez supprimer ce dont vous ne vous servez et... pas. Oui, alors ça, faire... ça, ça, il faut vraiment être vache. Là, il faut vraiment euh, pousser la blague, mais en fait, euh, c'est possible aussi, quoi. Non, mais ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, le fait de faire ça fait que déjà, il y a plein de choses, en fait, dans Photoshop qui... Euh, Photoshop, au public, c'est un logiciel qui parle à beaucoup de corps de métier. Ça parle aux ouais. graphistes, aux photographes, aux, aux, aux animateurs 3D, etc. Et donc, il y a des outils, il y a des fenêtres dans Photoshop qui ne nous servent pas, nous, en tant que photographes. Et donc, plus on simplifie l'interface, et plus on va vite, et plus on s'y retrouve. Donc, au, au final, euh, presque déjà qu'avec calque et propriété, ces deux fenêtres-là nous permettent de travailler. Donc, il suffit juste, en fait, de prendre le calque. On vient ici, on vient le coincer. J'ai ma fenêtre de calque. Après, à chaque fois dans mes fenêtres, j'ai mes, mes onglets que je peux euh, ensuite euh, fournir. Mais ensuite, il me suffit juste de venir chercher propriété. Hop. Tu vois, on peut, on peut tout, tout, tout personnaliser. Voilà. Ça, on va le sortir. Est-ce que tu es. Euh... Un peu minimaliste et un peu maniaque ou c'est juste dans photoshop c'est comme ça tout le temps ok et en fait regarde oh, ça doit être zoom qui voilà okay. tous les outils dans photoshop en tout cas pour le photographe on les trouve en fait ici dans cette petite icône qui est ici donc tu viens ouvrir une courbe as ta courbe et tu as en fait la courbe à pouvoir paramétrer qui s'ouvre dans les propriétés. Rien que déjà avec ces deux euh, fenêtres, tu peux travailler. Et donc, ça simplifie les choses, ça simplifie l'interface, tu te perds beaucoup moins. Donc, après, tu prends le temps, bah, peut-être que tu as quand même besoin d'avoir euh, les canaux, peut-être que tu as besoin aussi d'avoir l'historique. Et le fait de remonter euh, son interface en repartant tout à zéro, ouais. bah, tu, 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 tu digères ton, ton Photoshop, en fait, tu te l'accapares. Et, euh, et ça vraiment, c'est un super conseil que je peux donner vraiment pour quand, quand on est un petit peu perdu sur le logiciel, parce que ça permet de démystifier plein 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 de choses. Euh, certains préfèrent avoir les calques à gauche, d'autres à droite. Certains préfèrent avoir les outils plutôt ici ou ici, ou alors on peut les mettre en cascade. On peut en sélectionner, en retirer. Parfois, pareil, hein, dans les outils, euh, il y en a plein dont qu'on ne se sert pas. Ce serait peut-être intéressant de retirer tous les outils qu'on ne se sert pas et de ne garder vraiment. Euh, les, les, les principaux, les pertinents. Et de toute façon, on les retrouvera toujours dans Photoshop. Alors ouais. ensuite, pour revenir à mon interface, euh, évidemment, l'espace de travail, on peut le sauvegarder. Il suffit que je rappelle ma sauvegarde. Et euh, pourquoi il ne me le rappelle pas euh, euh, Il est déjà là, non On va faire un truc ouais, comme ça. 30. Et on va faire comme ça. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah écoute, je viens de trouver. Vous euh... savez pas que ça faisait ça, pourquoi ça Bon, c'est pas grave. Un bug. Euh... Oui je... voilà, donc Yves dit, Julien a raison, il faut faire l'outil qui vous convient. Alexandre dit les panneaux sont dockable aussi. Et Daniel dit je suis en mode formation, il est vrai que si on paramètre toutes les préférences, c'est vraiment top. Et Photoshop s'adapte à notre flux de travail. C'est ouais, vraiment, faut en profiter. Je pense que Franck il a déjà dû faire des sessions là-dessus. Donc ah voilà. Ah. Bah, bah écoute, je connais connaissais pas. Tu vois, je viens de découvrir quelque chose. <laughs> On a François qui dit Julien, tu fais la même chose en fait avec Photoshop qu'avec la lumière. Tu pars d'un canevas noir. Ah bah c'est quelqu'un qui a dû suivre mes. Euh... Ouais. <laughs> Merci beaucoup. Euh, oui, non, mais en fait, c'est. Alors après, hein, je pense que ça va avec ma personnalité, euh, c'est que j'aime bien les choses, en fait, épurées. Et donc, euh, quand tu arrives sur un logiciel, il euh, y a tellement. t'imagines Photoshop, le nombre de menus, le nombre de, de, de choses, en fait, à faire dans ce logiciel, que juste le fait de faire. Parce qu'en fait, ça paraît vachement bateau ce que je dis. Ah, oh, bah, personnalisez votre interface. Souvent, les gens pensent que c'est bateau, et puis ils font l'impasse et ne le font pas. Faites-le, mais vraiment à 100%. Réinitialiser Photoshop pour qu'il n'y ait plus rien à l'écran. Et un par un, ouvrez vos outils. Parce que, évidemment, que l'interface que je me suis créée moi, elle me convient à moi. Euh... J'ai mes calques ici, avec mes onglets couches et tracés. J'ai mes informations et mon histogramme en fait, qui est ici. Et ici, j'ai mes propriétés, mon historique. C'est vraiment les quatre panneaux principaux que j'utilise pour travailler. Euh, Peut-être que d'autres ont besoin de d'autres choses. Euh, vous avez vos actions ici. Voilà. Vous faites, euh, vous faites comme, comme vous souhaitez. Et à la limite, si euh, les gens veulent, euh, je peux donner mon, euh, mon workspace, mon espace de travail comme il est là. Euh, je, pour, je, je pourrais transmettre le fichier. Euh, mais presque je serais pour dire, euh, prenez pas mon fichier, refaites-le. Ouais. -même, parce que le fait de manipuler en fait le logiciel comme ça, ça vous, ça va vous apprendre pas mal de choses. Alors, ouais, et puis je pense aussi que ça ouais. doit influer selon euh, la taille de l'écran qu'on a. Si on a un Exactement. deux écrans, si on a, voilà, un voilà, gaucher, ça, droitier, euh, ouais. Très 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 bonne remarque, Pauline. Euh, L'idée en fait, c'est que par exemple, quand tu travailles sur un très grand écran, tu peux te permettre de mettre beaucoup plus de modules. Ouais. Moi, en fait, quand je vais travailler peut-être in euh, situ avec mon portable mon Photoshop en fait, sur un écran 15 pouces, 16 pouces, ben, je vais pouvoir peut-être aussi l'épurer pour mmh. avoir beaucoup plus d'espace et, euh, et de travailler de manière plus, euh, plus agréable. Donc oui, tout à fait. Il euh, y a des questions par rapport à ça? Euh, alors, alors euh, Yves dit il serait bon de montrer comment sauver ses propres paramètres dans le fichier Photoshop, car il y a beaucoup de personnes qui perdent tous les paramètres en cas de formatage. Juste un petit euh, oui, comment toi tu sauvegardes euh, tes paramètres euh... Alors, euh... On voit ça vite fait bonne... et puis après on rentre dans le dur. Alors très bonne question. Et tu vois là, je lance une petite, euh, un petit message aussi à Adobe si quelqu'un peut me dire aussi, parce que je ne connais pas tout. J'ai ah une méthode, une méthode euh, mais je pense qu'elle n'est pas. Euh... Allez, allez, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de mieux à faire. Tout ce que vous avez en fait dans Photoshop, vous allez le retrouver dans vos fichiers. Alors, moi, je vais vous montrer sur Mac, euh, sur PC, je ne sais, je sais plus exactement les chemins, mais euh, on va se retrouver, on appuie sur « Aller », on appuie sur « Option pour faire découvrir en fait « Bibliothèque ». On va dans « Applications support », on va dans « Adobe », euh... Voilà. Donc moi ici c'est le 2021, voilà. Et en fait tout est ici. Ok. On a même euh, donc l'espace de travail, on a euh, les, euh, les les paramètres qu'on pourrait avoir pour des outils, par exemple pour courbes. Euh, voilà, j'ai quelques réglages, euh, etc. Donc tout ce qu'on paramètre. Dans, euh, dans Photoshop, en fait, se retrouve ici. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, ça, tu sauvegardes sais ça et après un... dans une dropbox. Ouais. Et donc okay. à tout moment, dès que je veux, dois réinitialiser. Euh, alors petit conseil, petit tip, euh, qui a rien à voir avec la, le live, je fais un reset usine de l'ordinateur une à deux fois par an. D'accord. Donc, je connais bien ça. Hein, tu, quand je dis reset, c'est reset usine, c'est fresh install. On réinstalle le, 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 le macOS et tout ça. Vous gagnez facilement, vous gagnez 10 à 20 de puissance de l'ordinateur. Okay. c'est mieux que n'importe quel euh, logiciel pour performer votre nettoyer votre ordinateur et tout ça. Il faut juste être assez organisé pour bien sauvegarder tous ces fichiers, et évidemment, ne rien perdre. Ouais. Donc Dès que tu, euh, tu fais ton reset, tu réinstalles euh, Adobe Cloud. Ensuite, Adobe Cloud te réinstalle en fait tous tes logiciels et les préférences. Moi, tout ça, c'est stocké dans une Dropbox. J'ai n'ai plus qu'à recopier en fait ces dossiers et ça se retrouve en fait dans Photoshop. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas une, manière, euh, une meilleure manière à faire, peut-être via le cloud, peut-être on peut… Euh, je me souviens qu'à une époque, il y avait une manière de pouvoir enregistrer ces paramètres dans le cloud et les récupérer, les télécharger et tout ça. Je ne sais plus le faire. Et donc peut-être que peut-être qu'on peut trouver, peut-être que Franck pourrait nous trouver une, une manière plus, plus fluide pour le faire. Oui, carrément. Bah écoute, on lui posera la question et puis on posera la réponse sur le Discord ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui est ici aussi qui s'appelle paramètres prédéfinis avec le gestionnaire des paramètres, mais ça n'inclut pas tout. C'est ça en fait qui est embêtant. Est ouais. Certaines choses ne sont pas euh, ne sont pas dedans. D'accord. Et moi voilà. aussi j'aime bien. Il y a tes menus quand tu l'ouvres, il y a certaines choses qui sont en rouge. Voilà. Donc en fait. Ah à... bien joué. pousser Alors, la blague. Ça... Voilà. Alors ça. Ce qu'on ça... cherche pendant une plombe, là. Ah oui, c'est où, là J'ai trouvé ça. Je te jure que ça m'a fait gagner. Si tu, si tu cumules dans une journée, ah non, tu gagner facilement 5 minutes, 10 minutes dans la journée parce que ça fait un repère à l'œil. Pas forcément pour aller chercher cet outil-là, mais parce que ça te fait un repère à l'œil où tu sais que peut-être que l'outil que tu veux, il est juste en, en haut ou juste en bas. Ouais. Et euh, tu vois, par exemple, ici, tu sais très bien que, voilà, ça, ce sont les, les deux... Les deux, les deux euh, euh, les deux actions en fait à surtout surveiller quand on va travailler sur des fichiers ce sont c'est la gestion en fait des couleurs de, de son fichier dans Photoshop et donc voilà c'est j'ai plein de menus comme ça et donc ça ça se fait dans euh, menu OK Ça se fait dans menu et par exemple ici donc tu vois dans les filtres fluidité on lui met une couleur Ouais on peut même cacher des menus c'est ce que tu disais tout à l'heure Là, on pouvait faire vraiment la grosse blague voilà, ça c'est directement des menus. Mais là, c'est vilain quand même. C'est vilain, <laughs> mais voilà, c'est possible. Donc oui, ça, c'est super utile. C'est super utile. C ça, ça, ça paraît bête, mais quand on travaille vraiment, quand je suis vraiment en session de post-prod et que je peux travailler des, une semaine entière sur de la post-prod sur l'ordinateur... Ces petits trucs-là bah, vous font gagner euh, des petites secondes par-ci, des petites secondes par-là qui, à la fin… Oui, la... c'est ça. En ouais. fait, c'est comme euh, des graviers dans les chaussures, quoi. Il faut mieux oui. s'arrêter cinq minutes pour l'enlever avec audace, que rester avec ça et marcher pendant 10 minutes. En ouais. soi, c'est rien. Mais quand tu vas marcher euh, 10 000 pas avec ça, ça va commencer à t'embêter un ouais, petit Oui, c'est ça, ouais. Donc, euh, c'est ce principe-là, exactement. Ouais. Donc, en fait, euh, quand on travaille en tant que photographe dans Photoshop, il y a plein de choses dans Photoshop qu'on peut enlever et souvent il faut pas demander à apprendre Photoshop il faut apprendre Photoshop pour les photographes et du coup en fait il y a énormément ça se simplifie énormément il y a plein de choses que nous on n'a pas à se servir euh, donc euh, donc voilà ça c'est mon premier tips vraiment c'est de resetter Photoshop de reparamétrer euh, de, de réorganiser ses fenêtres et d'aussi de peut-être euh, euh, paramétrer ses menus et ces raccourcis clavier, les raccourcis clavier aussi, je les ai tous, enfin certains, je les ai changés, soit attribués. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas attribuées. Et euh, bah, le truc bête et qui pour moi me fait gagner un temps fou, c'est juste en fait l'œil ici-là pour faire apparaître ou pas ah. un calque. Par exemple, je fais un truc euh, bête pour que ce soit bien vu. Évidemment qu'on va toujours venir cocher ici sur l'œil. Le avant-après. Bah, je me suis mis juste en fait un raccourci bah, qui me permet. Voilà. Donc là, c'est un raccourci qui n'existe pas dans Photoshop. Je me suis créé un raccourci. Moi, c'est un pomme contrôle H hein, pour faire attention de ne pas avoir de doublon avec d'autres raccourcis. De toute façon, Photoshop vous dit si un raccourci a déjà été utilisé sur une autre fonction. Et, et ça, ça me fait gagner un temps fin, euh, fou. Parce que c'est super important de pouvoir aussi faire du avant-après quand on choisit un effet. Il n'y a que comme ça qu'on peut se. On va en parler après de ça. C'est quelque chose que je voulais Je, voulais, je voulais parler. Je, ce serait bien qu'on fasse une session de trois heures parce que moi, j'apprends plein de trucs. Je trouve ça chouette. Et on a François qui dit super, merci pour le tuyau sur les couleurs dans le menu. Yes. Euh, alors, bah écoute, on, on rentre dans le dur Oui, oui, vas-y. Allez, on y va. Euh, alors, moi, je voulais vraiment montrer quelque chose euh, qui, euh, qui, pour moi, peut... Euh, alors, pour les pros, je pense que tout le monde connaît, mais parfois, il y a vraiment ce petit truc qui peut débloquer euh, l'esprit pour, bah, pour toute une vie de travail. C'est d'essayer de comprendre comment est et composer une image. Qu'est-ce que c'est une image Qu'est-ce que c'est une image numérique Alors évidemment, on ne va pas parler genre que c'est quoi un pixel. C'est pas ça que je veux expliquer. Je veux expliquer en fait comment se forme une image. Et si on comprend comment se forme une image, on va pouvoir mieux la retoucher, mieux la post-produire. Euh, on va commencer par quelque chose de très simple. Je vais créer en fait un document. On va faire ça et euh, on va créer une image. Mais alors de la manière la plus simple possible. On va créer une boule. Et là, vous allez voir en fait pour ceux qui ont peut-être euh, fait de la peinture, qui se sont intéressés un peu à la peinture. Euh, petite parenthèse, j'ai appris Photoshop dans les livres des beaux arts de peinture. Pourtant, il n'y a pas de Photoshop dans les livres des beaux arts de peinture. Ouais. Donc, c'est vraiment pour expliquer qu'en soi, pour devenir bon en post-production, ce n'est pas en soi vraiment Photoshop qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment utiliser Photoshop pour comprendre l'image. Donc, comment on peint, on construit une image en peinture Je vais d'abord, pour faire une boule, je vais d'abord créer la forme. La forme d'une boule, c'est un cercle. Donc je vais créer un cercle que je vais juste changer Je viens de créer un cercle. Maintenant, donc je suis en cours de dessin qui est exactement la même chose que peinture. Euh, J'ai créé un cercle, on me dit bon bah voilà maintenant, tu viens de créer ce qu'on appelle une masse. Maintenant, il faut falloir créer une boule. Qu'est-ce qui manque pour qu'une masse se transforme en un volume Non, j'ai dit le mot. Qu'est-ce qu'il faut pour... Qu'est-ce qu'il faut à un cercle, un cercle pour, pour qu'il devienne une boule. Ouais. Une boule, il faut lui créer du volume. Et le volume, en fait, se crée. Alors, il y a des termes qui sont utilisés en peinture, en dessin, on va appeler faire de l'ombrage, euh, faire du, euh, du shading, enfin, tout ça, ça veut dire la même chose. Mais en soi, on va essayer de comprendre encore plus profondément qu'est-ce que ça veut dire. Je vais juste, en fait, dans Photoshop, ouvrir euh, un dégradé. Euh... faire comme ça on va le tourner un peu comme ça ça sera très bien on va peut-être le faire un peu moins fort comme ça bizarrement le cercle s'est transformé en sphère pourquoi le cercle s'est transformé en sphère c'est quelque chose de fondamental c'est con comme la lune mais c'est fondamental à comprendre le cercle s'est transformé en sphère parce qu'on vient de créer une variation de luminosité. Si je retire ce dégradé et que je prends je vais créer par exemple un point de sample, donc je vais prendre en fait ma pipette, je vais appuyer sur option non, sur shift Hop, je mets un sample, je vais passer la lecture du sample par exemple en TSL et en fin de compte, maintenant je. Voilà. Si je déplace en fait mon sample partout sur le cercle, on est d'accord que j'ai tout simplement rempli de blanc partout et vous voyez en fait sur la luminosité, je suis à 100% partout. Si maintenant je crée ce dégradé, qu'est-ce que je viens de faire Je viens tout simplement de créer. Une variation de luminosité. Si je suis ici, j'ai une luminosité de 83%. Si je suis ici, j'ai une luminosité de 13%. J'ai une différence de luminosité. J'ai une variation. Ce qu'on peut dire aussi un contraste. Un contraste, le synonyme de contraste, c'est différence. Donc, le fait d'avoir créé une différence de luminosité crée un volume. À écrire en or au-dessus des toilettes. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, carrément. C'est fondamental. Un, un, sur un visage, un nez existe pour la seule et unique raison qu'il y a des variations de luminosité. Ensuite, j'ai donc maintenant ma base fondamentale, c'était un cercle, la masse. Puis on a créé une variation de luminosité. Ce qui, en fait, on vient de créer une variation de luminosité. Et le petit point à comprendre, c'est qu'on a créé une variation, mais sur une longue distance. On est sur une distance qui est assez longue comparée à l'image. Puis maintenant, qu'est-ce qui nous manquerait que cette image devienne euh, un, un rendu réaliste Il lui manque de la texture. Donc, en fin de compte, je vais venir encore ici et je vais peut-être lui proposer d'incruster... Alors, euh... voilà, on va faire ça. Alors, on a François qui dit l'ombre et la lumière, c'est l'essence même de la création. Et Daniel qui dit trop bien, c'est pointu, c'est top. Alors, regardez. On s'en fout de ce qu'on a utilisé dans, euh, dans l'effet, le, euh, en fait. Oui, ce n'est pas Parce le propos. Ce n'est pas le propos. Au final, ce que j'ai demandé à Photoshop de faire, c'est de faire en fait des variations, mais sur des distances. Plus petite. Quand maintenant je regarde l'image de loin, mon image est finie. Elle devient une photo. Pourquoi Parce que je viens de composer ce qu'on appelle les trois couches fondamentales d'une image, qui sont la masse, les volumes et les textures. Quand, pour ceux qui travaillent en 3D, c'est le baba. Pour ceux qui travaillent en fait en peinture, en dessin, c'est le baba, parce qu'on construit comme ça. Dans la photo, l'image apparaît déjà comme ça. Donc, il faut faire le, la, la déconstruction dans le, dans le chemin inverse pour comprendre comment est faite une image. Donc, cette image-ci est d'abord un cercle la couche de la masse. puis, une sphère, un volume du fait qu'on vient de créer une variation de luminosité sur une longue distance. et l'image se finit parce qu'on vient de créer en fait une texture. qu'est-ce qu'une texture? une texture n'est rien d'autre en fait qu'une variation de luminosité sur des petites distances. eh bien ça, on va maintenant retourner, par exemple, sur une image comme ça. Le problème, en fait, c'est que quand on regarde une image, son cerveau est, euh, notre cerveau est perdu dans le, le, le flot en fait, d'informations. Il y a trop d'informations sur cette image. Et donc, en fait, on est complètement perdu. Je vais dire un truc, le B à bas. On est dans la voiture, on ne trouve plus son chemin. Qu'est-ce qu'on fait on, on attend est dans la, la radio. radio. Merci. Quand on veut écouter attentivement quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait Pauline euh... bah Moi, je te regarde là. Et... <laughs> on ferme les yeux. Oui. <laughs> L'idée, en fait, c'est que naturellement, on le fait. C'est que pour se concentrer sur une information, on va bloquer le flux d'autres infor informations. Et donc, quand on est sur une image comme ça, pour arriver à la comprendre, il faut qu'on arrive à limiter le flux d'informations pour que son cerveau puisse se concentrer et avoir toute sa capacité à comprendre une chose précise. Donc pour l'instant, on voit toujours en fait que c'est une femme. Parce que on regarde cette image de manière descriptive. Et on va commencer c'est hyper chouette de voir ton travail zoomé comme ça en fait. Parce que moi j'ai vu ton portfolio sur Instagram et qu'est-ce que c'est frustrant en fait. Ça fait du bien de voir ah, est les détails. Parce... Et donc, à partir du moment où la grille apparaît en fait dans Photoshop, ça veut dire en fait qu'on est au niveau du pixel. Okay Cette image... C'est le truc le plus abstrait que vous avez pu voir en tête de cette journée. Et pourtant, c'est le plus important à comprendre. Une image n'est composée que de pixels. Pour l'instant, tout le monde a compris. Mais qu'est-ce qu'un pixel Quelles sont les informations qu'il y a dans un pixel Dans un pixel, on va avoir plusieurs langages. On va avoir... Si par exemple je prends mon sélecteur de couleurs, je vais prendre en échantillon ponctuel pour pouvoir sampler au pixel près. Je vais sampler ici. Ce pixel n'a, je vais poser mes mots, n'a rien d'autre comme information que si je réfléchis dans le langage TSL. Oublions le RVB, le LAB et le CMJN. Si je réfléchis dans le mot TSL, je n'ai que trois informations une teinte une saturation une luminosité c'est fondamental à comprendre pour une, une chose qui va ensuite expliquer plein d'autres choses dans un pixel il n'y a aucune valeur de netteté dans un pixel il n'y a aucune valeur de bruit dans un pixel il n'y a aucune valeur de clarté de contraste de il n'y a rien de tout ça dans un pixel vous n'avez que trois valeurs une teinte, une saturation, une luminosité. Ce qu'il faut comprendre en fait dans ce langage qui est ici là, c'est que à la base de la base de la base, on a numérisé, on a scientifisé la couleur, on a, ça, on a mathématisé la couleur euh, dans les débuts en fait des années 1900, 1914, 1915 je crois, euh, où on a fait des recherches et donc on a développé une méthode pour pouvoir appliquer en fait des maths sur les couleurs. Et donc on a développé le langage Lab. OK, c'est un langage scientifique, c'est le langage absolu de la couleur. Ce sont les valeurs absolues de la couleur. Quand on communique par exemple entre deux professionnels, le seul langage qu'on devrait utiliser quand on communique une couleur, ce serait en Lab, car le Lab, comme on dit, est indépendant de l'espace de couleur. On pourra revenir après, plus tard, sur ce sujet-là. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a dû développer ensuite une technologie pour les écrans, pour pouvoir voir quelque chose sur un écran. Et donc, le lab ne fonctionnait pas. Donc, on a développé une, un mécanisme. Et donc, on a développé un mécanisme par trois canaux, rouge, vert, bleu. Et donc, il a fallu inventer une traduction, par exemple, de l'anglais vers le français. Et donc, le lab et le RVB ne sont que la traduction du même mot, de la même couleur. Donc, ensuite, on a travaillé en impression et on a dû développer un mécanisme, une science en fait de l'impression, on a utilisé des encres. Et donc, il a fallu euh, développer un nouveau langage qui est le CMJN. Et donc, le CMJN est tout simplement une traduction, par exemple en allemand, du lab. Mais il manquait un truc. Il manquait ce qu'on appelle la logique humaine, le langage de logique humaine. Quand on doit refaire par exemple la chambre de euh, la petite, on va à le roi Merlin et on dit, tiens, bonjour, je voudrais euh, un bleu nuit, ou je voudrais un rose pastel, ou je voudrais le fameux taupe. Un taupe, <laughs> un bleu canard. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on dit quand on parle comme ça Quand je parle comme ça, tu comprends plus ou moins c'est quoi comme couleur oui, mais je ne sais pas laquelle c'est. Je te dis, écoute, euh, écoute, Pauline, j'ai trouvé une couleur. Non, mais dingue. C'est un 44-19-17 en lab. Ah, oh, waouh, truc de ouf! On parle. <laughs> on ne peut pas réfléchir comme ça. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on s'est dit, par exemple, quand on dit un rose pastel, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un rouge avec une forte luminosité et une faible saturation quand on dit un bleu nuit c'est un bleu avec une faible luminosité et une forte saturation et donc euh, ce qui est important à comprendre c'est que dans notre langage de tous les jours on parle en TSL et donc pour pouvoir travailler ensuite en, terme, en, en artiste en fait sur les images on avait besoin du coup d'un langage qui puisse être logique pour nous donc c'est pour ça qu'on a développé le TSL donc pour le photographe c'est simple on oublie le RVB, on oublie le lab, on oublie le CMGN. On ne réfléchit qu'en TSL. Ok On ferme la parenthèse. Okay. À partir de là, à partir de là le seul chose, la seule chose à comprendre, c'est que dans un pixel, je n'ai en fin de compte que trois valeurs, teinte, saturation, luminosité. Si je viens par exemple prendre ce pixel-là, j'ai des valeurs légèrement différentes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on connaît sur les caractéristiques d'une image, la netteté, euh, le bruit, le contraste, le... tout ce qui on a l'habitude de parler sur une image n'est le fruit qu'une illusion d'optique d'un groupe de pixels. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. Dans un pixel, je répète pour la dernière fois pour aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qu'une teinte, une saturation de luminosité. Par contre, par exemple, une netteté va commencer à apparaître par le fruit d'une illusion d'optique entre un groupe de pixels où les valeurs de teinte, saturation, luminosité vont varier. Donc ce sont ces variations, soit sur des distances longues ou soit sur des distances courtes, qui vont créer les illusions de volume ou de texture. Si je, continue, je commence à dézoomer un petit peu, vous voyez qu'on continue toujours à avoir un ensemble de carrés avec des couleurs dedans. Je continue encore à dézoomer. Je vois toujours des petits patchs. On dirait une mosaïque. Je continue. Et là, en fait, on commence à retrouver un, un sujet, une image, parce que je commence à reconnaître la forme, en fait, d'une joue, tout simplement, parce que j'ai d'abord une masse de couleurs. Par dessus, j'ai des variations en teintes, saturation, luminosité sur des longues distances de pixels qui forment le volume, ce qu'on voit ici. Et ensuite, je vais avoir des variations de teintes, saturation, luminosité sur des toutes petites distances de pixels qui vont me créer ma texture. Par exemple, quand je regarde le grain de la peau, la texture de la peau, pardon ce n'est que des pixels qui varient fortement sur des petites distances. Vous voyez que par exemple ici, entre ce pixel-là et ce pixel-là, la différence est assez notable. Donc j'ai une variation forte sur une distance de 2 pixels. Ça représente en fin de compte une texture. C'est ce qu'on voit. Regardez ici. Pour encore mieux voir ça, on va décomposer l'image comme j'ai fait avec la sphère. Avec la sphère, on vient de la faire du début jusqu'à la fin. Là maintenant, on va le faire dans le sens inverse. On a l'image finale et on va la décomposer. Donc ce que je fais, c'est que je vais dupliquer en fait ce calque et je vais appliquer un filtre médian. Ah, et on a Daniel, qui nous a dit il y a 15 minutes, il nous amène tout doucement vers la séparation de fréquences. <laughs> non, mais je pense que beaucoup de personnes vont comprendre complètement différemment ce que c'est une séparation de fréquences suite ouais. à ça. Parce que oui, cette méthodologie-là euh, répond en fait à toutes les questions. Parce que ouais. je n'ai rien inventé, j'ai juste peut-être mis en place une méthodologie pour l'expliquer, mais c'est comme ça que l'image fonctionne depuis la nuit des temps. Donc, qu'est-ce que je viens de faire Je viens en fait de. Alors, je vais le refaire parce que je ne l'ai pas expliqué. Je vais juste appliquer un filtre médian. Et j'ai un rayon ici. Ce rayon, c'est quoi En fait, ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous d'une distance de 24 pixels, je veux en fait réduire. Annuler les variations. Si je fais ça, OK, et maintenant que je zoome, oh. okay. je répète. Oui. Ici, c'est mon image. Oui, oui. Qui vit parce que, qui est une image parce qu'il y a des variations entre les pixels. Puis j'ai demandé à Photoshop... Que sur un rayon de 24 pixels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 allez peut-être encore un coup comme ça ok on a à peu près 24 pixels là sur 24 pixels je veux annuler les variations donc en fait là il prend tous les pixels et il fait ouf, la moyenne exactement Médial. Comme une palette de peinture on mélangerait tout euh... exactement exactement le fait de faire ça que sur un rayon de 24 pixels. 24 pixels sur une image qui fait 3000. Euh, je je, je sais pas. Mon... Ah oui, ça, je l'ai mis en centimètres. Sur une image qui fait 7000 par 9000 pixels. Oulala, là là, on est sur de la résolution euh, bien. Là, on est, je l'ai shooté au moyen format. Donc, sur un fichier qui fait 9000 pixels sur la taille longue. 24 pixels, c'est rien. Donc, on peut assimiler cette distance à une distance courte, très courte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que ici, si j'ai annulé les variations d'une distance de 24 pixels, j'ai annulé, en fait, les textures. Et quand je fais ça, je n'ai plus de textures. Mais j'ai toujours les volumes. J'ai toujours en fait l'impression de voir une femme, un visage tout simplement parce que je respecte toujours les variations qui sont sur des longues distances, c'est-à-dire une distance de ici on doit avoir à peu près peut-être 400 pixels. C'est cette variation sur ces longues distances qui crée les volumes. Donc maintenant pour aller encore plus loin et pour revenir à la masse, il faut maintenant que j'annule ces variations longues. Et on va prendre l'exemple, on va pas tout faire parce que ça va prendre trop de temps, mais on va prendre l'exemple en fait du ballon. Le ballon est toujours ballon parce que j'ai toujours le volume. Ouais. Ici, j'ai les textures du ballon, la texture du ballon, mais en enlevant la texture du ballon qui de toute façon est très minime parce que c'est du plastique, je retrouve toujours mon ballon parce que j'ai gardé les volumes. Maintenant. Qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un cercle. OK. On va faire ça. Et je vais maintenant prendre une moyenne. Ici, on vient avec un microscope extraordinaire. On est passé dans la masse, si tu veux, en fait, de l'image. On a enlevé les textures, on a enlevé les volumes, et donc on ne, on ne retrouve en fait que les masses de l'image. Voici une masse. J'aurais voulu peindre cette image. J'aurais peint ce cercle. J'aurais mis une couleur. Puis j'aurais créé des variations pour créer du volume et ensuite j'aurai peint mes textures pour arriver à une image finale et ça et eh ben ça s'applique partout si par exemple je prends le bras je vais faire ça Oh, pardon. Hop. Alors, on a. Je regarde. Ah oui, Delphine qui nous dit c'est passionnant. Euh, Daniel, petite pensée amicale à tous nos auditeurs daltoniens. <laughs> ouais. Jamila qui dit instructif et passionnant. Merci. Et euh, alors, ça devient limpide maintenant avec toutes ces explications en amont. Alors. Voilà. Je suis en train de me dire, est-ce que. Yaga est a Gaëtan qui nous dit, on écoute. Je pense que tout le monde est en train d'apprendre plein de choses qu'on n'aborde pas souvent. Euh, je vois que le temps passe. Ah, mais quelle heure il est là Il est 53. Ah mince Tu vois, que le temps passe, qu'on arrive doucement à la fin. Et je me demandais, donc, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat est-ce que ce serait pas trop bien que Julien y revienne Continue de nous parler de ça. <rire> voilà. <rire> je mon petit sondage, je vois déjà des grands oui de Alex derrière. Parce que non, je ne je je sais, euh... sais pas comment ça se passe chez Adobe, mais je peux rester euh, 10-15 minutes de plus. Si alors on se fait couper. vrai, mais on se fait couper. Du coup, bah, dites-moi. Voilà. On a des plus, qui dit. Oui, je il le que faut. Que je voulais, ce que je voulais montrer avec ça. Et, euh, et après, on pourra, si tu veux, répondre à quelques questions. Je voulais juste montrer, par exemple, sur le bras. Voici la masse du bras. Donc, je refais dans, je refais dans, dans le sens. L'image totale. Puis, l'image totale est composée de trois couches. Masse, variation longue, variation courte. J'enlève les variations courtes. Je n'ai plus qu'une masse et des variations longues, c'est-à-dire les masses et les volumes. Puis maintenant, j'enlève le volume. Je me retrouve avec la masse. Du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait avec tout ça? C'est que quand on traite une image, ces trois couches sont pondérées. Elles n'apportent pas le même, le même impact sur l'image. La couche de masse, celle qu'on ne voit pas, représente 70% de l'image de la force de l'image. Mm. Les variations longues, les volumes, représentent 20% de l'impact d'une image. Et les textures ne représentent que 10%. Donc, la loi des 80-20, est-ce que je okay. passe 80% de mon temps à post-produire une couche qui n'apporterait que 10% d'impact à l'image Non. Et le problème, en fait, c'est que souvent, quand on débute, on débute toujours. En zoomant son image à 100% et à retoucher en fait les détails de son image, ce qui ne sert en soi à rien du Faut tout. Pour après la poster sur Instagram. Et en plus. Et en plus. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que si vous vous concentrez à travailler les masses de votre image, c'est-à-dire ensuite, je vais terminer avec ça, parce que comme ça, sera plus, ça va boucler la boucle. Ouais, oui, Quand vous allez travailler avec les masses de vos images vous aurez traité 80 de votre, euh, 70% de votre image. Et donc, si à un moment donné, votre deadline s'est raccourcie d'un coup, votre client vous appelle et dit ⁇ Mais il faut absolument livrer l'image ⁇ à 70%, l'image est livrable. Même si on n'a pas fini de mh, traiter un petit peu les volumes et de traiter un petit peu les textures. Alors que si on ne on commence que par la texture, on a travaillé 4 heures sur la texture et qu'ensuite notre client nous appelle ⁇ Il faut la livrer ⁇ l'image n'est pas prête. Donc... Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans C'est qu'au final, quand on se retrouve avec des masses, qu'est-ce qu'il faut faire sur une image pour la post-produire En fin de compte, il faut juste créer ce qu'on appelle une harmonie de couleurs. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que pour chacune des masses, il faut trouver la bonne valeur moyenne de teinte, saturation et luminosité pour créer une belle harmonie. C'est aussi simple que ça. Et donc, dernier exemple. Voilà l'exercice que je donne à faire tout le monde pendant le confinement. On va prendre une masse. Imaginons que c'est un fond. On va prendre par exemple, euh, prenons un verre. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà, faisons ça. Tac. Et ensuite, prenons. Et faisons par exemple Hop. ok ça c'est une masse c'est la couche des masses d'une image qui pourrait exister on s'en fout de savoir les textures et les volumes imaginez que par exemple ça pourrait être en fait une image qui est photographiée de haut dans une prairie vous shootez en fait de l'herbe et vous avez un coquelicot. Si j'enlève en fait les volumes, on ne reconnaît plus les pétales et tout ça. Si j'enlève les textures, on ne reconnaît plus la texture de l'herbe et tout ça. Donc en fin de compte, imaginez dans votre tête les, la couche de volume et la couche de texture. Et ici en fait on ne voit que la couche fondamentale des masses. Donc cette image, si elle représente 70% de la force d'une image, comment je fais pour la post-produire, pour la faire en couverture de vogue donc la réponse c'est qu'il faut que je trouve la bonne valeur de teinte de saturation luminosité pour chacune des masses pour que les deux masses se parlent une couleur si j'ai une couleur toutes les couleurs sont belles tous les verts sont beaux oui mais Tout ensemble est voilà voilà à partir du moment qu'il y a deux couleurs il y a certaines harmonies qui seront Belles, d'autres qui seront moches. Et là-dessus, j'insiste beaucoup. Les goûts et les couleurs, pour moi, hein, ça n'implique que moi. Hein, alors je... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez avoir des sensibilités différentes. Mais soit une harmonie fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. C'est comme au piano. Soit vous faites une harmonie sonante ou une harmonie dissonante. Puis après, dans les harmonies sonantes, vous allez avoir des harmonies jazzy, classiques. Hip-hop, etc. Ça, ça va être une sensibilité différente. Moi, je suis fan de Nine Nails et ils font que des harmonies dissonantes. Alors, <laughs> oui mais. mais tu pas. vois, je vois ce que tu. Es, je je, je C'est ce que... dissonant à un moment, ouais. mais toujours en soutien derrière avec des harmonies sonantes. Ouais, Il a jamais dissonant. Tu arrêtes tout de suite la. C'est oui, euh... trop mal à l'oreille. Donc, en fin de compte, dans l'image, c'est la même chose. Donc, regardez. Je vais post-produire devant vos yeux, en quelques secondes, je vais rendre cette image livrable pour une couverture pour Vanity Fair. Donc, qu'est-ce que je fais Je prends mon verre et je vais juste choisir un verre plus pertinent pour ce rouge, car le travail est de faire quel vert pour ce rouge et quel rouge pour ce vert. Alors, oui, j'ai une question. Oui en fait, là, quand tu me parles de ça, mon cœur de graphiste me dit que la composition c'est primordial. Ouais. Tu vois Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La composition ici, comment, comment tu la vois C'est le fait que les deux masses n'ont pas le même poids. On ouais. a un rouge qui est plus petit sur un vert. Ouais. D'accord. Ouais, Et le, il y a plein de là où ils sont placés, l'équilibre. Exactement. Euh... exactement. Là, j'ai pas du tout travaillé une, ouais. une, une composition, mais évidemment. Le fait de mettre son, ima son rond au centre ou peut-être un petit peu décalé comme ça, change radicalement l'image. Mais ce que je veux expliquer, montrer là maintenant, c'est la force de la post-production. C'est que maintenant, s'il suffit que je fasse ça, regardez, je vais peut-être descendre un peu la luminosité du vert. Je vais peut-être baisser un peu la saturation et rajouter peut-être un petit peu de bleu au vert. Maintenant, sur le rouge. Je vais peut-être saturer mon rouge, lui donner peut-être un petit peu de jaune et je vais retravailler mon vert. Ok et le rouge. Ok. Ah, enlève-moi tout ça. Ok. Enlève-moi star so mince. <laughs> Euh, Pourquoi il me la lune tout le temps, alors que je vais faire. Ah c'est bon. Ouais. Ok. Est-ce que bizarrement cette image vous paraît comme un roux plat, ouais. grisé, et que d'un coup cette image vous paraît impactante, post-produite, même si je l'ai fait rapidement et que peut-être le rouge est un petit peu trop lumineux. Okay. ce qui est important à comprendre c'est qu'ici je n'ai pas utilisé d'outils de balance de blanc de contraste de... ce n'est pas ça le plus important le plus important est de trouver les outils pour pouvoir modifier les teintes, saturation et luminosité de chacune des masses qui composent notre image et si vous faites ça vous avez déjà post-produit à 70% votre image et la post-prod son secret est là par contre, c'est toute une vie ensuite d'expérimentation et d'apprentissage. Parce qu'après, en fin de compte, on se rend compte que le pire ennemi, c'est notre propre œil. Ce qu'il va falloir éduquer son œil. Et il va falloir comprendre que c'est une bonne harmonie, une mauvaise harmonie. Et tout ça, ça va demander énormément, énormément, énormément de travail. Et donc, c'est tout ça où j'invite vraiment les gens de prendre n'importe quelle masse. Faites une, un, un assortiment dans Photoshop de deux. Parce qu'une masse, ça ne compte pas sur une masse. Toutes les couleurs sont belles. À partir du moment où vous avez 2, 3, 4, 5, 6 masses, c'est là où ça devient compliqué. Et il faut créer une harmonie qui fonctionne avec toutes ces masses-là. Voilà. Bah écoute, c'était super chouette. Euh, on a eu des oui, 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 il faut que tu reviennes de partout. Ah. <laughs> Et on est dans le timing euh, presque. Voilà et euh, eh bien je regarde ce qu'on a voilà Daniel qui dit je vote pour la suite de la session c'était très instructif et passionnant euh, Jamila c'était top enfin, je pense que tout le monde était euh, comme ça en train de voir tes paroles c'est gentil merci on aurait envie que ça dure toute la journée moi j'ai appris plein de trucs c'était très chouette et eh bien euh, je crois qu'on va on va se laisser là-dessus en train de me dire euh, qu'est-ce qu'il faut que je vous raconte. Alors, euh, il y a encore une session à 16h avec Franck. Je pense qu'il y a Alexandre qui va vous lancer le planning euh, de la semaine. Voilà, derrière, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Donc, là, cette semaine, c'est trop bien. On est en live toute la journée. Euh, demain, ce sera la vidéo. Euh, le matin, euh, Lyo à Franck. Donc, Franck à 10h et à 16h. Et moi à 14h, je serai avec Atom pour lui poser euh, plein de questions euh, improbables, encore une fois. Et voilà, eh ben, écoute, euh, merci Julien. Je vais, je vais essayer de voir euh, avec l'équipe pour que tu reviennes. De temps en temps, en fait, on fait des sessions on a des gens qui reviennent régulièrement, qui font euh, quatre sessions pour aller profondément sur un sujet. Ah, c'est super gentil. Et super je pense gentil. que ce, tu, ce serait merveilleux si tu pouvais faire ça, parce que j'ai l'impression qu'on a juste effleuré le, le ah, truc. Oui, et... c'est ouais. sûr que c'est un, 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 un sujet qui est tellement passionnant que c'est. Ouais, c'est sans fin en fait c'est bah oui, voilà il faut être passionné il faut être, il faut être passionné de post-production de, de, post de faut le prendre comme un jeu il faut pas le prendre comme un comme, comme un travail comme quelque chose de, de, de scolaire c'est c'est alors je, je, je m'emporte peut-être en disant ça mais c'est la seule et unique méthode pour progresser en post-production c'est la seule pourquoi parce que c'est la, la méthode universelle c'est la méthode universelle qui s'applique en peinture en dessin en photographie. Dans tout type de travail d'image. Ouais, je suis, je suis hyper. Euh, j'ai appris plein de choses. Moi, j'ai eu une autre approche et j'ai appris la retouche avec quelqu'un qui faisait du dessin. Donc, c'est pareil, en fait. Euh, Super. Tu vois, ils m'ont appris des choses qui étaient différentes que j'ai jamais vues sur des tutos photos, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas sur des tutos photos. Super. Bon, d'ailleurs, je euh... n'ai pas eu le temps de parler des nouveautés de, euh, de, de, avec Adobe Max, mais euh, l'idée, vous avez compris qu'en final euh, ce qui va être important, en fait, de. Pour travailler une image, c'est de pouvoir isoler les masses, ouais. Et qui dit isoler les masses dit masquer, ouais. Et donc, il va falloir développer pas mal de techniques là pour le coup. Ce sera vraiment des techniques pour pouvoir isoler le plus rapidement et facilement possible. Et donc, avec euh, Adobe Max et donc Photoshop 2021, il y a des euh, nouveautés en termes de sélection qui sont très intéressantes et que je vous invite à aller découvrir. Comme euh, alors je montre ça très rapidement en fait aller dans photoshop préférences euh, aperçu de technologie et c'est nouveau et à la base c'est pas coché vous allez activer l'outil traçage environnement pris en compte c'est vous allez le cocher ce qu'à la base c'est pas coché et ça va vous ouvrir en fait ce petit outil qu'est ce que j'ai fait une petite plume. J'ai cliqué dessus, il est reparti. Alors j'ai peur qu'on se fasse couper, est-ce ah. que ce n'est ben, pas un teasing pour le prochain épisode. Et alors vas-y, teasing. Tu vois, voilà. Et donc Denis ouais. dit merci pour ces précieux conseils, simples et efficaces. Et euh, Daniel nous dit de toute façon, on est confiné, on ne bouge pas, on vous attend. <laughs> et ben voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Merci Julien, j'ai hâte de me voir la suite. Merci beaucoup. Et puis ben, je vous envoie à plein de bisous, et puis à demain. Ciao